Mesdames et messieurs, gros nouvelle qui a fait la une de l'actualité. Dans le moment d'en parler là, Madame Dominique Dupuy, qui est ministre des Affaires étrangères, là, ministre, nous connaît qui est dans le Conseil de transition, voulait révoquer, eh bien, rejoindre Guy Philippe après déclaration ça, nous va l'attendre là. Et Madame Dominique Dupuy est sémenté, travail là, fait, pas gain personne monde qui a empêché le faire, parce que c'est un travail pays. Donc, rete là, nous avons tout détaillé, malgré gain ou dit ça, non, qui a fait quoi que Madame Dominique Dupuy, c'est pour président li la planifié là, parce que selon ou dit ça non, c'est un grand pion pour Laurent Lamotte, mais celle ça me connaît nèg ici depuis ou voulez faire un bagaille pour pays a ou te getan gen toute note ou te getan gen toute grade. Et bien bon m'invite nous tande un petit extrait nan déclaration ça Madame Dominique Dupuy fait. Et bien et après déclaration ça et Madame Dominique Dupuy pral nan gros problème, et bien Guy Philippe voulait rentrer dans bataille là ensemble avec Madame Dominique Dupuy. En écouter et petit parti ça n'a tourné pour nous kabaw tout détail parce que interview en pile gain plus bagaille nous doit entendre entendre ça. Système qui gangrène diplomatie depuis toute année ça. Faut nous parler de ça parce que faut nous comprendre. Diversion que y a fait c'est parce que dans diplomatie dans réforme que nous commencer à nous mener des intérêts profonds, des intérêts de trafic de drogue, trafic d'armes, trafic humain, des intérêts côté que dans saison politique cap l'ouvrir, diplomatie a été toujours servi de bras financier pour parti politique. Nous menacer ça et menacer le risque et au péril de ma vie. Même pas faire bac souli parce que me connaît que c'est seul ça me quitter pour pays, c'est si nous gain des institutions assainies côté que des monde qui capable qui voulait qui participer dans projet national qui intéressé parce que nous-mêmes nous pas prendre nos logiques affaires poche. Majorité attaque que m'a joigne nous connaît origine. Ces affaires poche qu'a régler c'est pas affaire idéologie. Mon yo pas fâché avec nous sous principe. Mm-hmm. Nous pas fâché avec nous sous compétence, fâché parce que menacer poche yo parce que nous-mêmes nous connaît que nous bon travail pour nous faire notre petit bout de temps nous là et travail ça nous pas quitter intérêt personnel empêcher nous faire. Crise là trois grand, crise là trois important rendez-vous avec l'histoire, c'est qu'on y a lié. C'est pas dans élection lié, c'est dans réussite transition pour que ça sorti dans élection qu'a durable, qu'a vraiment crédible, qu'a rebaille pays en l'espoir. Et c'est engagement ça. Interview a pas fini mesdames et messieurs, restez là pour faire autant de toute interview a. Eh bien, moi coupé là mesdames et messieurs et j'entendais ça c'est déclaration yon bon citoyen qui voulait aider pays donc au péril de sa vie donc les décider mener bataille là jusqu'au fond malgré gain Leslie Voltaire qui avec tout l'autre conseiller qui dans conseil présidentiel là qui mandé révocation Dominique Dupuy après elle était fin prendre décision pour le camper en face Abinadel dans dossier déportation massive qu'a fait en République dominicaine. Mais non seulement dominicain a déporté haïtien de manière massive, mais yo maltraité yo pas considéré autant que monde. Et bien et Dominique Dupuy est mandé pour dominicain camper suspendre. Et bien intérêt en pile nèg commencé menacer ça qui permet nèg yo voulait prendre décision pour yo révoquer ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuy. Mesdames et messieurs, m'a rappelé nous c'est pour la première fois nous gagnons yon ministre affaires étrangères qui campait pour parler pour amis compatriotes nous qui en République dominicaine. Mesdames et messieurs, bam invitez nous tande plus dans interview ça avec madame Dominique Dupuy qui est ministre affaires étrangères pays d'Haïti côté en pile nèg commencé et nan couri avec déclaration ça. Madame Dominique Dupuy c'est matin débat ou la caou et ça veut dire que son une fanatique matin débat et depuis là dans UNESCO et ou te kon toujours suivre matin débat et de fait réaction yo et beaucoup tôt c'était toujours et c'est par le biais de matin débat qui fait un ensemble d'informations vinn gagner donc matin débat c'est ça lié et ministre Dominique Dupuy et qui est lié et côté le sorti pour arriver côté rivé là jodi à là. Bonjour Isaïe César, bonjour Louko Désir même s'il pas avec nous dans studio A, bonjour Vladimir Galette et puis tout technicien autour qui a fait nous bien passer matin. Je suis content dans matin débat, première fois avec nous. Même senti la caillam, senti que son ambiance que toujours vivre des écrans mais qu'on y a vraiment comprendre pour qui ça toujours une énergie dans l'émission. Ça vraiment gros bail spécial dans l'espace ça, je suis content avec nous. Donc qui côté me sorti? Me sorti au Cap. Qui côté mié, on y a un Port-au-Prince dans le ministère des Affaires étrangères avec le ministère haïtien vivant à l'étranger. Je pense que faut nous ta fonti émission peut-être 3 4 heures de temps pour me raconter nous qui route qui ka qui pas au courant qui mène là mais en gros, je pense que c'est une question de philosophie
parce que depuis petit, nous toujours est entouré de monde qui apprennent moins que faut nous servir pays, hein, qui apprennent moins que c'est celle qui nous gagne et c'est celle nous qui l'a tout pour nous défendre ni. Et me toujours essayer vivre en gens pour me placer tête moins dans des situations côté que tout ça m'a fait et abouti à et intérêt public si me ca dit le comme ça. Donc en gros, c'est comme ça m'ta ca dit que m'atterri dans poste ministériel, ça m'était très honoré le premier ministre t'a relé pour me proposer une position ça et là m'ta accepté les aïe, faut me dire m'te connais l'étape difficile. M'te connais ça la tape lourde, m'te connais que et chantier au tape en pile. Même t'es senti que m'ta gagne une équipe autour de moi d'ailleurs dans salle là m'a salué chef cabinet qui avait m'cap accompagner m'jodi hein. Et on connaît que nous à la hauteur de l'ambition que nous gagnons pour réforme que nous voulons mener avec pour changement nous voulons porter, mais li pas facile, mais nous pas faire bac. Nous pas faire bac ou sorti non tourné qui pral menon dans Nations Unies, n'a pas directement dans point ça qui c'est fin hier de la 79e assemblée générale des Nations Unies. Haïti a fait bon visage selon plus d'un. Maintenant, et malgré toute critique qui t'a gagné sur toile là, nous rappelons nous et ensemble de et problèmes qui t'est posé entre la primature, la présidence, est-ce que problème il y en avait et est-ce que problème et ça yo t'a gagné avec le ministère Affaires étrangères et la mission permanente des Nations Unies qui salté exactement la vérité dans tout ça, madame la ministre. La vérité, Zahi, je suis très content de parler avec nous aujourd'hui hein, pour nous clarifier. C'est grand pile bruit pour des contre-vérités qui ont circulé. Et nous connaissons, je ne veux dire, toute société haïtienne est infectée avec des informations, avec fake qui ont circulé et puis avec des gens qui ont intérêt à créer des histoires qui sont basées sur des inventions. La réalité, hein, c'est que pas de problème sous participation haïtienne. Nan. T'es toujours gagné en seule délégation haïtienne présidée par son excellence le président du conseil et présidentiel de transition Edgar Leblanc et t'es toujours gagné un agenda complémentaire entre participation présidentielle là, participation premier ministre là et participation ministre affaires étrangères là. Schéma ça pas un schéma qui unique à Haïti, il y a en pile délégation que nous croiser qui gagne même schéma côté soit en président soit en roi là accompagné de premier ministre, accompagné de ministre affaires étrangères et accompagné de toutes sortes de techniciens, experts et diplomates non et délégation pour prendre part à commission yo. Ça t'est clair depuis le début, c'est comme ça que nous-mêmes comme ministère affaires étrangères nous t'ai communiqué le bas Nations Unies, c'est pour ça accréditation était faite en fonction de communication ça. Badge président Leblanc t'est paré en même temps badge tout le monde comme chef de délégation. Okay. Premier ministre là avant de quitter territoire là t'ai circulé en note, on communiqué côté que l'été annoncé que l'a quitté pays hein, pour participer dans l'assemblée générale là dans cadre d'une délégation qui présidait par son excellence Edgar Leblanc. Donc pas jamais gain confusion sur format ni sur cohérence et participation haïtienne. Agenda participation est bâti à travers compilation et agenda respectif yo que MAE vient joindre. MAE circule agenda ça à trois entités yo lui-même MAE primature avec et présidence et tout le monde était d'accord sur tâche répartition des tâches que chaque parti te gagne. Je nous connais là. Donc, tu as une coordination entre la primature et la présidence. Tout à fait. Et la mission permanente. Non seulement le premier ministre l'a rencontré avec le président avant les partis pour regarder l'agenda respectif comme un complémentaire. Correct. Deuxièmement, tu as une cellule qui travaille sous l'aspect logistique là, qui réunit dans la villa d'accueil avec une représentation MAE, une représentation primature et ambassadeur et Haïti à l'ONU t'es même voyagé dans quatre déclarations patrimoine Livin fait nous arranger nous pour les voyager en vent pour les font réunion physiquement dans villa d'accueil en présence chef cabinet la présidence en présence conseiller diplomatique président Leblanc en présence responsable institution et international MAE en présence primature donc coordination t'est faite de façon harmonieuse par toutes les parties concernées c'est sa vérité aïe mais effectivement Esaïe vinn gen hic si m ka di l comme ça mais hic là et me pense que faut nous kembe nous regard nous sous et vrai interlocuteur là hic là sorti sous parti américaine là et m'a tout salué ambassadeur américain en Haïti hein qui rapidement réagit et qui font communication publique à travers un tweet qui reconnaît que tout temps là sorti sous bon pa yo ça m ka partager avec nous c'est que dans délégation qui fait là ou après marquer que tu gagne deux moun qui utilisait titre présidentiel là, c'est-à-dire qu'au gain président Leblanc et au gain président Voltaire qui participait dans la délégation.
Là nous même nous communiquer information ça. Parce que le nom de Voltaire, monsieur Voltaire était déjà là avant même. Dans communication que nous voyons le 5 septembre, nous était déjà là dedans. Okay. Et ça qui vient réaliser hein, c'est que Américain vient expliquer nous après parce que là nous confronté à problème là, nous pas gain souci parce que comme ministère affaires étrangères, nous en communication avec département d'État, OK? Yeah, yeah. Et avec et des structures autonomes. Mm-hmm. Secret Service lui-même l'a pas agi de façon autonome quant à courtoisie que il doit accorder à chef délégation yo avec et toute membre délégation qui ont certain niveau tant que premier ministre là. Dans certains cas ministre affaires étrangères là bénéficier tout de détails secret service là. Nous-mêmes nous pas fait demande pour lui parce que nous étions conscients que nous étions en grande délégation, nous pas penser l'idée nécessaire, nous tape toujours soit avec président soit avec premier ministre là, nous pas besoin autonome. Donc nous pas demander pour moi-même, nous demander automatiquement pour le chef de délégation et yo estimer que premier ministre là tu dois bénéficier de lui aussi parce que c'est une personnalité de haut niveau. Correct. OK. Ça privé. Communication allé, yo vin apprenn nous que système yo vin pa ka comprendre structure exécutive pa nou. Côté yo gen deux présidents. Mm-hmm. Donc système nan c'est pas un moun ka opérer li. Si on bagay, c'est un logiciel peut-être que yo gen, yo seulement exit li. Donc yo obligé vin faire une intervention manuelle suite à connaissance que yo vin gen de problème nan pour que yo expliquer que non c'est pas un problème li gen, son structure unique que nous gen nous-mêmes. Que États-Unis reconnaître, que États-Unis appuyer, correct. Et donc que États-Unis doit accommoder. Mm-hmm. Mais toute manœuvre ça au printemps, ce sont des manœuvres diplomatiques que nous impliquer là dans le parti haïtien, mais que Américains ont pris vraiment au sérieux. Et c'est eux-mêmes qui viennent permettre dans le territoire payo que le résultat a débouché sur non seulement mais à culpa public, mais sur une mise à disposition de toute courtoisie que était toujours voulu accorder président Leblanc et que les bénéficiaient de eux. Okay. Donc c'est pour me dire que il n'y avait pas d'histoire. Il y a eu un problème de système d'absorption d'informations du côté américain. Au niveau des Américains. Au niveau des Américains, ils l'ont reconnu. Maintenant, si on voulait faire nous croire que mon problème, BOPAM, BOPA MAE, c'est pour détourner le regard d'autres questions que peut-être ils n'ont pas voulu aborder. Détourner attention population sur vrai problème. Population pour occuper les esprits avec des histoires inventées et des diversions. Même qu'on est surtout dans le matin débat, nous plus intelligents que ça et surtout nous plus focus. Et sous ça qui est important, et sous substance là. Madame la ministre, c'est bien parce qu'on peut éclaircissement, côté problème, dans côté hic, là, pour me répéter, soit dit en sortie, c'est bon côté les États-Unis d'Amérique. Mais et parallèlement, pas boy ici en Haïti, et go paquet moun tout qui wel a un mauvais jeu, parce qu'on se dit à l'heure, m'a répété littéralement, t'es toujours gagné une seule délégation en ce qui concerne Haïti. Et si t'es bon, t'es toujours gagné une seule délégation pour Haïti, qui ça qui explique que. Le premier ministre et le président, le coordonnateur du conseil présidentiel, ils ont pas déplacé ensemble, ils ont déplacé séparément. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Par exemple, moi-même, si c'est pareil, m'espère n'a pas un petit temps pour nous parler de ça. Ouais. Et moi, t'es quand même allé en vain. Moi, arrivé deux jours avant le premier ministre là. J'étais en tournée européenne. T'as aimé bien expliquer nous peut-être ça me botter de tourner ça parce que j'ai beaucoup parlé avec personne depuis que je tournais. Monica Terry me commençait à préparer visite là. Premier ministre arrivé deux jours plus tard et président t'es prévu pour arriver le lendemain ou le surlendemain. C'est tout à fait normal que selon degré autorité délégation hein, ou qu'à aller en advance j'en ai dit là. Pas c'est pas un signal de désharmonie du tout. Que le ministre des Affaires étrangères là rentré en vend non pièce pour l'assurer toute bagaille en forme pour accueillir justement sommité. Vous comprenez le ministre des Affaires étrangères là même pas comprendre pour le ministre là avec le président bon dire comme ça. Comme dit le président. Écoute, Jean Jolan, agenda ça Jean où elle t'est doué déployer malgré encore une fois tes gon hic, c'est un agenda qui bâti en harmonie avec le président lui-même et puis pour le ministre là. Il était d'accord que peut-être ça, l'important pour me dire, c'est que l'Assemblée générale, là, il y a des moments forts, qui des moments statutaires pour Nations Unies, hein, okay? Mais qui ça, l'Assemblée générale, là, y est vraiment? C'est un moment de communion unique dans l'année et calendrier là, côté que plus passé 190 pays pral réunis avec officiels, yo. Et c'est, ça a bon, une opportunité de créer des points de convergence, de rencontrer des mondes, quand on t'a pral obligé de voyager pendant des heures. Elles font paquet et démarches pour qu'elles aient accès à eux et subitement tout le monde est réuni. Pour le Premier ministre, il est important que la participation reste à hauteur de coopération que lui-même a plaidoyé pour le porter.
président lui-même, il a un plaidoyer pour le porter dans un espace statutaire tout qui peut commencer. Il était là pour le prévu, pour le prendre et Jean Fellan rencontrer le secrétaire général là. Malheureusement, il a raté rendez-vous ça. Okay. Mais il parlait sur le podium là, Jean ça était toujours prévu et Jean ça c'est Wall, chef de délégation. Il était gagné l'ordre bilatéral tout, m'a quitté. Faut nous connaître que président et New York toujours m'a quitté le faire bilan, il prend le fond pour une presse à retour, il m'a quitté le faire bilan lui-même de réussite délégation hein. Réussite délégation hein. Mais et c'est parce que me gêter nous garder nous c'est ça c'est le cas voilà. Pas de souci alors font tirer tu me garder les ailes bon puis vous regardez caméra mais regardez caméra c'est ça dit limpi bon le alors c'est mon nous oui mon a fait mon et haïtien vivant à l'étranger c'est eux qui dit mais fait ministre ouais nous garder nous en face regarder nous mais pas fâché avec nous mais pas de souci pas de souci allez-y et harmonie ça je pense que si nous prenons temps nous pour nous réaliser justement le fait que nous t'est arrivé et monter un agenda complémentaire face à l'urgence parce que on nous font petit bac qui ça qui pour qui ça est important pour Haïti t'es même participer dans l'assemblée générale la journée aujourd'hui parce que il y a une urgence nationale nous t'est dit faut ni président ni premier ministre ni moi-même faut m'tachita Haïti pour nous gérer ministère faire année fiscale faut nous t'ava à et gérer l'urgence nationale. Mm-hmm. Mais qui est-ce qui est la réalité? On nous prend 2010 comme point de repère. Son date qui est gravée dans la mémoire tout haïtien et qui représente un point et vraiment sombre dans l'histoire et contemporaine. Pas nous. Okay. Nous perdons presque 300 000 personnes en quelques secondes et nous avons géré le traumatisme jusqu'à présent. Mais, Esaïe, qui est-ce qui vit aujourd'hui d'après vous? Je dis à n'ap viv 12 millions moun k'ap mouri piti. Ouais. N'ap viv une tragédie, c'est pas un goudou k'a senti, mais nan destruction, nan impact li en termes de crise profonde, li comparable si li pa pire parce que c'est nous tout k'ap mouri piti, que ça k'ap mouri la peur, que ça k'ap mouri grand goût, que ça k'ap mouri parce que yo pa ka joine yo l'hôpital, yo pa ka rive nan l'hôpital, que ça k'ap mouri parce que yo désespéré, que ça k'ap mouri parce que yo prend bateau pour yo jambé et puis yo coulé. Donc nous vivons en mort lente de toute population haïtienne et pour la première fois. Et il y a des gens parmi nous qui là-bas qui vivent une situation enragée qui ont besoin de vivre dans le pays. Et pour la première fois, même gens avec tremblement de terre là, c'est pour ça moi que on comparaison que nous avons bâti sous lui, personne ne va épargner. Même ta mon moun di journée jodi a que gagne des moun qui senti yo en sécurité yo bien crise là pas concerné au journée jodi a dans pays a. Et lors d'un moment comme ça, côté que tout le monde a bord même bateau, en même temps, ou qu'a dénoncé douleur que ça provoquait, en même temps, faut ouvrir tant qu'on opportunité. Parce que pour la première fois, ou qu'a mobilisé tout le monde autour d'un changement et d'une transformation. Donc c'est dans le contexte ça que nous prenons décision pour nous participer dans 79e assemblée générale là. Et pour nous porter voix de l'urgence, pour nous porter voix de tout ça nous besoin pour que nous réussissions transition. Signal participation collective là ton signal fort et positif. Kounia yo ka vle virer le temps qu'on bagaille qui crée un problème. Mais signal participation à toutes les échelles là, c'est un bel éventail pour montrer que toutes les composantes de la transition présent et yo vle faire même plaidoyer parce que le premier ministre prend la parole, c'est même sa président dit que l'a répété. Il va rentrer dans plus de détails techniques pour dire combien policiers, côté police a fait opération, combien moun qui déplacé président lui-même, il y a un petit gens débat plus élevé, plus politique, plus stratégique. Correct. Mais ce sont des discours complémentaires et des discours qui se renforcent l'un et l'autre. Et c'est beauté décision participation collective là, à la hauteur de urgence que nous gagnons que nous ta doit souligner. Parce que t'aimer aller plus loin. Qui ça qui réussit journée aujourd'hui participation haïtienne nan, qui bilan nous ka tirer. J'ai là n'ta pas arrivé avec vous bilan et quid du bilan et de la participation d'Haïti à cette 79e et assemblée générale des Nations Unies et qui ça Haïti joine. Et qui ça n'ta chercher, ça nous joine. On fait dit et Gladimir ça m'a respecté parole président k'ap vini dans quelques jours pour que le fait point de presse parler. Mais ça m'a pral dit c'est pour qui ça pour nous aller nous assembler comme ça et pour qui ça que président rete jusqu'à présent m'ka dit nous il y a des bilatéraux de très haut niveau que va gagner dans les prochains jours moi même avec fonction ministre là m'obligé venir faire mes exercices fiscal là donc m'obligé rentrer pour me joindre jour ouvrable là correct et baromètre là
pour me pas faire bilan m'a dit qui ça qui va au mettre là c'est le nous déplacer qui ça déplacer après le faire pour 600 000 moun qui déplacer interne journée jodi dans pays d'Haïti qui ça participation ça va le bail pour moitié population haïtienne qui a dormi vente vide le soir qui ça va le bail pour jeune femme 14 ans qui a infecté avec VIH parce que a subi viol qui ça va le bail pour ti moun dans zone la caïmon dans ti bouk au boyne qui pour que j'aime courant à yeux qui pour que j'aime lumière qui ça va le bail pour moitié gang yo que nous suspecter qui t'es cadre ti moun qui t'a dans l'âge pour y aller l'école qui ça va le porter pour yo donc c'est ça ba ou mettre participation c'est pas tout bruit qu'on veut que vous voulez causer autour de qui est-ce qui t'a allé, comment t'a allé, qui ça t'a fait, mais c'est qui plaidoyer nous t'a porté ensemble. Et pour me dire moi-même, dans parti PAM, dans réunion que moi j'ai honneur pour participer dans yo, soit à côté président, soit à côté premier ministre, et souvent à côté les deux, ça moi c'est que nous déjà qu'a annoncé une réussite. On réussit non seulement à travers un discours courageux que le président a prononcé, un discours qui recevait un pile d'applaudissements dans l'Assemblée générale là. Il faut le dire. Un discours côté que li campé non seulement et ambiguïté qu'au cas gain dignité ou cas campé tête droite mais au cas dit tout besoin qu'on vienne corrim. C'est pas parce que me pas ka faire pour contre moi, c'est pas parce que Haïti pas ka réussir transition pour contre lui. Mais c'est parce que si nous ensemble nous ka réussir plus bien plus vite et gain urgence. Mais un pile chai et gain urgence. Et faut nous rappeler tout, m'tap kouté là sous matin débat et intervention qui t'est venue juste avant m'nan. C'est pas charité n'a demandé. C'est ça nous t'est fait que nous vinn di faire pour nous tout. Mais malheureusement pour nous, nous non contexte côté gain plus passé 60 crises dans le monde, cap monopoliser attention communauté internationale là et des crises qui mieux articulées que nous. Combat nous gagnons son combat de discours justement son combat de joindre moun tant qu'au président tant qu'au premier ministre tant qu'au tout l'autre ministre gouvernement qui cal joindre partenaire nous pour articuler situation à vivre là c'est pas parce que moun yo pas veut aider nous c'est parce que yo pas comprendre un est-ce que nous gon plan bonne réponse transition ça c'est que pour la première fois mon gouvernement de transition qui publie une feuille de route moi même t'es en réunion avec président Lula deux yeux le sorti consali dit oh nous gon feuille de route Voyez-le pour nous, c'est ça nous tapton. Ça pas t'empêcher que m't'aller Brésil en vent et que l'homme t'est parlé de feuille de route là, il t'était déjà dit nous a doublé coopération. Doublé coopération. Il a débloqué des soutiens militaires en faveur de l'armée que m'tourner avec eux, équipement que nous t'ai besoin pour que nous camener combat. Il a aidé nous dans et chantier électoral là que nous besoin. D'ailleurs, nous gagné haïtien qui a parti le 5 octobre pour observer élection et brésilienne locale yo et tout des brésiliens cap tourner pour former même CEP en tout ça c'est des coopérations concrètes que nous joignons dans Brésil mais plus que ça l'arrivé où on parle avec un président du poids et de l'envergure du président Lula et que il saisit ouais que pour une fois au podium plein d'action côté que lui-même il ca ouais identifier côté le Gavin Correo ça veut dire que n'a font bagaille bien ça veut dire que nous ca corré encore un appui qui pas un appui acquis parce que tout le monde a fait face à des crises. Guerre que n'a mené sur le champ diplomatique journée jodi a c'est une guerre d'articulation. Regardez président Zelensky depuis attaque qui a commencé en bas mais la Russie, monsieur pas jamais chita. Pour qui ça le pas chita, tu as dit mais a pas attaqué le fol chita en Ukraine pour la lui même li prend zam non, li connaissait pas zam nan qui guerre lan seulement. C'est guerre diplomatique lan tout, c'est al déplacer tout côté, al parler dans Sénat, al rencontrer tout partenaire yo. C'est occuper espace physique lan côté que partenaire yo ka incorporer sens de l'urgence que lui-même li senti dans pays. Nous-mêmes, c'est même démarche là que nous lançons. Depuis me prend fonction malé Paraguay. Mal rencontrer toute OEA, nous lançons signal fort après plusieurs mois côté Haïti t'es bébé. Haïti pas t'a parler de problème encore. Nous tellement boumé entre nous, nous penser que combat c'est entre nous pour le faire. Combat c'est avec l'autre crise pour le faire avec l'international pour nous dire vienne corré nous autour d'un agenda commun. Nous réussis ça qui était inimaginable qui s'est accord 3 avril là côté tout le monde mettait tête yo d'accord pour une transition pacifique qu'on y a fois nous livrer sous transition ça autour de l'élection hein, pour une fois après combien d'années nous gon CEP qui montait 7 membres sur 9 qui rendent fonctionnel et nous espérer 2 membres à rejoindre bientôt porter message ça dans Paraguay dans OEA c'était première étape nous aller CARICOM dans sommet à nous porter même message là m'aller Washington dans conseil de sécurité dans New York nous aller en Europe rive Madrid, aller au Royaume-Uni, passer Bruxelles. Qui ça s'est créé pour aboutir plus récemment dans l'Assemblée générale là? C'est que nous tendez feedback là. Yo dit nous pour la première fois yo comprendre démarche Haïti a faire. Pour la première fois yo ouais qui bon
yo ka améliorer contribution. Pour la première fois yo wè tout ki bon ça a fait à pap marcher parce que li pa cohérent avec besoin actuel nous. Mm-hmm. Parce que des fois blanc international là, li décidé mais ça l'a voyer pour. M'tendez monsieur a t'a dit ça en vente, la bon sac duri. M'pa dit pa gen grand goût. Mais je t'a dit hein, on projet agro-industriel puis important que sac duri hein. Et surtout gen des fois obligé faire le en même temps. Parce que grand goût à l'immédiat, on va pas dire moun nan ki pral dormi vente vide là, ton projet a on 12 millions, bravo. Non, ou ka bay sac duri, on pas ka camper là parce que sinon on a toujours nos dépendance sac duri. Et ça par exemple, nous a dit partenaire yo, c'est que nous a l'approcher yo avec des aspects innovants de qui gens yo ka corré nous pour dégager des portefeuilles que nous pour que gens m'a bénéficier. Interlocuteur en vente a parlé de USAID. Nous gagne réunion et m'ta ka dit presque tout côté me passé. Me rencontrer avec un représentant USAID qui vient culminer dans l'assemblée générale là en bilatéral que nous fait. Yon nan pi gros chantier nous va le faire avec USAID que nous mandé yo et corré nous et que yon gen expertise là et que ouvert à faire li, c'est sous contrôle frontière là pour contrebande. Chaque année Haïti perdu 400 à 600 millions de dollars sous contrebande qui a rentré à travers frontière là parce que nous pas une capacité de gérer li. C'est USAID li même qui produit rapport là. Li produit rapport là et puis il ra l'école. Nous dit yo, est-ce que nous gen capacité aider nous? Yo dit nous oui. Brésil gen tap mete men, Mexique gen tap mete men. Brésil gen 10 frontières. Yo c'est expert dans gestion frontière. Okay. Mexique gon frontière qu'on connaît avec un envergure frontière ça avec États-Unis. Yo dit nous y a vinn pote kore. N'a prêté dans bilatéral là, n'a prêté dans bilatéral, pas oublier son pral dit et sous question bilatéral que nous gagnons divers et bilatéral que nous gagnons que président a continué et ratio. Maintenant et la République dominicaine parce que là nous sommes aux États-Unis. La République dominicaine impliquée, il est là-dedans. Donc, en pile, vous voyez mon texte fait sur question implication dominicaine de la République dominicaine dans les Nations Unies. Et comme quoi l'armée dominicaine te gagne pour venir à Haïti. Parce que nous besoin pour éclaircir, pour Haïti éclaircir ça pour nous. Tout à fait. Pour pays, parce que pays, grand équipe, mon cap, emmerder l'esprit, mon yo, non radot comme quoi. Et soldats, vous voyez soldats dominicains ici, éclairci pour la population. Et puis deuxièmement, et madame la ministre, et ces discours, et monsieur Leblanc, sous différents paramètres qui gagnent en discours, et monsieur Leblanc, et président Leblanc, et comment nous-mêmes nous approcher. Alors, pour me finir, première idée, hein, oui. Pour qui ça me parlait de contrebande, non? C'est parce que. Gestion crise, ça, gestion transition, ça n'a pas qu'à baser seulement sur la gestion de l'urgence. Et là, on a capté 400, 600 millions de dollars que on a perdu chaque année, ça sont on avance durable qu'on fait, peut-être pas pour autosuffisance. Ça veut dire, je dis, on a besoin de 600 millions de dollars pour MSS. Dans un an, on a rentré 600 millions de dollars si c'est priorité ou tout financer MSS ou pour compte. Si c'est rebâti l'hôpital, si c'est rebâti l'école ou café, ça veut dire l'argent, ça sont l'argent qui a évaporé. Et que nous ka capté, c'est pour montrer comment que nous avons engagé partenaire nous différemment. C'est pas dire ben nous plus sac duri, c'est dire aidez-nous. Gérer comme pas nous pour que nous autosuffisants pour que nous ka faire projet nous. Maintenant pour m'arriver sous clarification ça, m'est très content faire li. Nous gain et privilège pour nous gain en bilatéral d'ailleurs, c'était une occasion côté CPT a très présent, Primature était présent, MAE était présent côté nous rencontrer président Ruto. Qui sont évidemment un partenaire important pour nous Kounia, qui lui-même tout fait preuve d'un pile courage, lui engager le politiquement pour porter Corée Haïti normalement et côté que nous avons besoin appui MSS là. Nous clarifier que gon problème de syntaxe dans Jean-Libati tweet là. Sou gade bien, il dit que il est content rencontrer avec président Abinader qui promet que il va continuer engagement dans cadre soutien que à bas évacuation médicale que pays El Salvador a fourni nous. Et entre deux lignes qui sont structure et syntaxe que utilisé dans en anglais, il dit incluant les troupes qui vont augmenter et donc il continue phrase lien. Mais lui-même l'a parlé de troupes pâles. Et tu voulais dire que nous pral gagner une communication officielle comme MAE jodi a pour nous clarifier pendant nous pral communiquer sur réunion avec Ruto, on a tout profité clarifier que ni pour la partie dominicaine, ni pour la partie haïtienne, ni pour la partie kenyane, il n'y a absolument aucun doute qu'il n'est pas question de présence de troupes dominicaines sur le territoire haïtien, ni de participation de troupes dominicaines dans MSS. Appui ou après été sous territoire payo, n'ont accueilli et policiers MSS qui blessés. Et bio soins de santé et d'ailleurs il a déjà commencé parce que il y a eu déjà des cas d'évacuation. L'IPAP allait plus loin et
li pa nan projet pour li aller plus loin et que ça soit clair. OK. Madame la ministre, avec mondialisation jeunes aujourd'hui, a pas aucune société, pas aucun pays, pas aucun peuple qui ka avancer sans support yon l'autre et c'est bien pour que Jean Sotab dit là où nous gouvernement li entre dans guerre dialectique. C'est-à-dire si tu as parlé alors, et pas voulez pour nous voulez été dans et dominicaine là. Donc pas Haïti pas jamais bilatéral pendant les Nations Unies avec la dominicaine. Alors, femme dio, je voulais que le président fasse bilan. Toute réunion qu'il fait, je ne vais pas insister à part pour me clarifier sur Routo. Je ne voulais que c'est moi-même qui fait bilan mission et présidentielle là. Toute réunion qui concerne et délégation a bien un bilan qui a bien joué nous à travers point de presse là. Très bien. Alors, d'après dit mais entamer une guerre dialectique, chita rencontrer partenaires internationaux, etc. C'est bien. Et mais je ne dis pas problème Haïti ou en pile, mais problème qui pour moi-même toujours dit là d'ailleurs dans ma télé, qui puis urgent nécessité une solution urgente dans le moment. C'est problème insécurité, ça c'est point de vue pas moi. Maintenant sous problème insécurité, madame la ministre, justement et bon paquet, c'est cette même communauté internationale ou du moins son parti dans communauté internationale ça qui te dit que c'est haïtien pour résoudre problème que y a confronté. Est-ce que le gouvernement optimiste quant à appui et communauté internationale la compte tenu de son paquet de parti, j'aime sou dire te dit et par rapport avec crise que Haïti a connu jeudi aujourd'hui. Très bon point et Latimia. Merci. Moi-même dans faire de route PAM sécurité hein, c'est lui même qui fil conducteur là. C'est colonne vertébrale toute action que m'a mené parce que nous comprendre que nous gagne pile priorité qu'a conjugué en même temps, priorité humanitaire, priorité électorale, mais priorité sécurité là sont conditions sine qua non pour que tous les deux ca camper. Faut nous attaquer en même temps mais nous pas doit jamais quitter sécurité à pour deuxième plan. Plan d'action que nous avons déployé non seulement à travers MSS, mais à travers plaidoyer, c'est un plan d'action qui est centré autour du leadership haïtien. Si nous comprenons bien, MSS n'est pas là pour créer des conditions sécuritaires, il vient pour corriger les efforts que la police nationale avec l'armée d'Haïti a déployé. Donc nous tout à fait dans une appropriation de efforts, appropriation de tout ça qui doit être déployé pour que nous arrivions à des conditions sécuritaires. Et c'est ça que m'a dit et m'a permis de parler dans le non-lit, que qui occupait priorité dans l'agenda Premier ministre. Et certainement qui te fait partie de plaidoyer que le président Leblanc porté par l'ONU. Ça nous ouais, c'est que nous avons gagné en crédibilité. Pour que le monde choisit, allons dire que ou dit là, Albata Yavo. Pour me choisir Albata Yavo. Fòm kwè nan batay ou pral mene an et fòm kwè tout que lè nou rive sou terrain ou même ou pa kouri ou dégèpi ou aller pou kite m pou kont mwen alors que m pa même kon pou ki sa m ap batay la. Crédibilité an c'est clé pour solidarité à manifester. Et ça nous wè que gouvernement ça avec conseil présidentiel là a bénéficié à travers plaidoyer que nous pote yo, c'est que nous bénéficier d'un regain de crédibilité. Message que n'a pote depuis plus que 100 jours qu'on y a, li rive nan oreille moun yo, yo accepté li. Si m'ka permettre mon exception expression yo acheté li, ça veut dire que kounya gayon volonté de renforcer participation. La preuve est simple. Lor gade et fond pour financement MSS là, certes nous ta remen que li aller plus vite, mais nous wè progression depuis installation gouvernement. Nous wè que la continue augmenter. Nan réunion qui fait ça comme c'est pas bilatéral, m'a été public gen et communiqué de presse qui sorti, nous voyons que Canada, Premier ministre Trudeau et Premier ministre Econi organisé en réunion ECOSOC côté que remobiliser des acteurs qui prennent des engagements très forts dans réunion. Secrétaire d'État Blinken avec président Leblanc avec Premier ministre Econi organisé en session côté que on parlait avec tout acteur qui impliqué dans MSS là et nous tendait là des engagements forts notamment avec les États-Unis 160 millions de dollars additionnels nous gagne des partenaires qui pral participer Union européenne pral doubler participation li donc il y a un élan vers une participation plus conséquente mais ça n'est pas l'objectif haïtien. L'objectif haïtien son renforcement de capacité pas nous. C'est pour ça la police a pour écouter, a former, c'est pour ça le Mali Brésil. Mon bagage qui n'a déjà coûte moins que me content, c'est que Brésil va former 400 policiers que moi-même nous ouais son bagage qui durable qu'a prêté pour nous parce que MSS c'est un an s'il renouveler. Nous gain un an jusqu'à fin 2025. Yeah. Est-ce que nous ca investir dans un modèle qui va durable? Investissement
c'est à la fois dans Corée urgent que nous besoin à travers MSS, mais c'est surtout à travers sa capacité pour nous. Corée police là, former l'armée, il y a pour recruter dans l'armée, il y a pour recruter dans police, il y a pour former au bio équipement, acheter équipement nous-mêmes avec propre moyen nous, l'état haïtien a acheté équipement tout, gen sa ka ban nous équipement, Brésil a aidé nous et Mexique promet nous gen des partenaires qui voyer les équipements pour nous et gouvernement recevoir un hélicoptère quoi d'ici semaine prochaine. Mais n'a pas investi tout pour que capacité arrêter souveraine. Mais toute promesse là, il y a pas bon deadline qui est au caractère. Tout à fait. Si nous voulons, ça c'est des documents que nous avons partagé avec nous. Okay. Et ce sont des engagements qui pris dans des tranches de temps bien déterminées et que cap matérialiser et très graduellement. Nous ouais couvrons déjà et une annonce juste pour finir sur réunion Blinken. Une annonce qui prend yo, il y a un pays qui insistait pour dire nous. Ça n'a pas annoncé là, il est déjà dans le compte en banque là parce que nous pas voulu année fiscale là fini sans nous pas livrer. Qu'on a ministre finance là qui a beau plus de détails parce que nous avons une visibilité sur ça. Va, ça va. Alors, okay. Changement et MSS là en mission de la PA et est-ce que nous passons son bonne idée ou bien comment ça y est Président Leblanc a annoncé dans le discours où tu attendais que Haïti recevra favorablement et possibilité ça. Il faut nous comprendre que c'est une décision que nous estimons pour le gouvernement haïtien avec pour le conseil présidentiel là, qui sont des décisions réfléchies. Côté que nous parlons avec tout partenaire nous qui impliqués dans MSS là, pour nous faire évaluation de viabilité MSS là face à progression li, et puis face à besoin que nous avons gagné le mandat libre à l'expirer dans fin 2025. Okay. Et journée jeudi à langage qui a circulé dans la résolution qui a adopté le 30 septembre, non, c'est non seulement de renouveler le mandat MSS là pour un an, donc jusqu'à octobre 2025, mais à la fin de la résolution, ça, dernier paragraphe lundi, explorer la possibilité de convertir MSS à la fin de l'année 2025 là, en mission de maintien de la paix, okay, en vue de consolider les acquis obtenus par MSS. Donc c'est vraiment, c'est juste pour une fond, porte ouverte pour au besoin qu'a permettre nous après MSS nous taprons pas de fond et puis nous perdu acquis nous pas qu'à consolider. Okay. Mais pour l'instant le langage qui circule c'est vraiment une porte ouverte sur la possibilité à la fin de l'année 2025 et à ceci Haïti, officiellement par la voix du président Leblanc, est adhéré à principe de mettre paragraphe ça et de explorer possibilité ça. Okay. Parfait. Et bien avant la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, il y a un dossier qui a fait la une et tout le monde a parlé de lui, ses affaires des propos racistes. Et justement, le président Leblanc a tenté ou bien essayé de répondre. Et candidat ou bien ancien président de la Sans pas faire mention de nom. Justement, ça, oui, et ça fait me dire tenter. Alors, c'est vrai que ministère des Affaires étrangères a été sorti en communiqué sur ça, mais ils ont communiqué selon plus d'un. Ministère pas haïtien vivant à l'étranger. Ministère haïtien vivant à l'étranger. Pas de problème, pas de danger. Yeah. Et selon Pile Moon, communiquer ça, il n'est pas suffit. Comment ministère des Haïtiens vivant à l'étranger compter justement accompagner compatriotes yo qui jusqu'à matin m'a parlé aux amis qui dit mon petit monde qui ont l'autre petit monde FUCKING va permettre moi pas répéter moi Black Monkey maintenant comment qui support comment compter accompagner patriotes par rapport avec ça que déclaration ça l'a fait et comme suite alors merci et Vladimir ou même tap souri tout à l'heure parce que m'étais pas sur t'es pas parler d'acte d'indépendance là mais sujet ça pas matière à sourire du tout donc m'excuser parce que l'ordi qui t'a fait la une même commencer sourire parce que c'est une nouvelle situation qui a développé dans communauté ça extrêmement alarmant et nous te prenons au sérieux depuis première fois à propos au fait nous organiser c'est pas en communiquer nous langue communiquer c'est pour faire part de action que nous prenons. OK. Action c'était organiser on brasser l'idée avec plus passé 50 organisations particulièrement ça qui impliqué dans zone avoisinante Springfield là pour nous coûter parce que comment ministère là à partir de Port-au-Prince qu'a dit après un événement alarmant qui non seulement insulté affecté mais bouleverser tout, toute communauté haïtienne, quel que soit côté, propos ça y affecte dans l'identité ou dans l'âme. Mais pour nous réagir comme ministère, c'est pas nous pas un plan d'action qui était notre tiroir pour nous dire leur propos ça y a prononcé, mais comment nous allons déployer tel dispositif. Première étape, c'était aller à l'écoute de monde qui souterrain
et de moun ki ka ban nou yo même ki jan yo pensé pour nous ta doué accompagner yo. Ça c'était premier bagay là. Deuxième bagay là c'est que li conforter nous dans décision que nous te prend depuis le et yo te ban portefeuille ministériel ça qui c'est que pour l'instant pendant m'a parlé avec nous hein, ministère Haïtien vivant à l'étranger existe son seul côté. Port-au-Prince. C'est premier bagay que m'te saisi. Donc l'homme parle avec premier ministre, m'dit il faut connait que dans plan d'action ministère haïtien vivant à l'étranger pas exister à travers tout poste consulaire que nous gagnons côté que nous gagnons plus passer 100 000 haïtiens qui vivent. Et ça malheureusement nous pas de déployer immédiatement, faut nous tenir un nouveau exercice fiscal là, nous budgétiser li, si nous garder nos feuilles de route que ministère haïtien vivant à l'étranger gagne li écrit, déployer un dispositif à travers les postes consulaires et gon protocole d'entente qui pral signer entre deux ministères pour permettre que MAV ka bénéficier de MAE tout côté le joine col dans le monde. Pour qui ça? Comment ministère ka à côté en communauté s'il Port-au-Prince? Nous fait zoom non, c'est ça nous te gagne comme outil, comme outil. Mais qui ça m'oblige fait en contrepartie? Mobiliser consulat Chicago qui c'est lui-même qui desservi et communauté ça. Moi rencontré avec et chargé d'affaires là pendant nous New York, il déplacé li vinn nous-même. Nous font réunion de travail pour nous évaluer justement comment la pas accompagner, qui sorte de demande qu'a vinn joini, qui ça li ka fait qui pi bien pour que qui moyen li besoin tout en termes de ressources humaines, en termes de mobilité pour que li ka aller pi près problème là. Sa réunion ça fait. Nous gain personnel MAV qui pral déployer. M'a besoin expliquer nous problème visa, nous gagne un petit retard dans réactivité nous ta souhaité, n'a attendre que recevoir visa yo pour que personnel Mavlan lui-même déplacer physiquement pour la côté communauté. Mais entre-temps, on ka comprendre frustration compatriote nous yo que tu as peut-être souhaité ouais plus pi vite. D'accord, et certainement me font exercice d'empathie côté que si m'étais là comme maman petite pour m'a vivre situation de stress ça m'a apprécié on correct qui pi visible. Même pas venir nous minimiser que position haïtienne nan salteye par ma voix non seulement par le biais de communiquer mais par le biais de d'autres et canaux que m'utiliser d'ailleurs qui viennent publier dans Washington et Post après c'est que nous verbaliser indignation nous et ça et des même CPT qui fait président Fell sous podium Nations Unies moins Fell sous compte Twitter pam moins Fell avec interlocuteur moins et du côté du département d'État le rencontrer yo en comprenant que ça sont nuances que nous devons faire comme ministre affaires étrangères interlocuteur moins c'est administration pays côté que nous gain relations diplomatiques là propos ça pas tenu par administration donc m'obliger toujours à kembe chapeau ministre haïtien vivant à l'étranger parce que c'est pas gouvernement américain qui kembe propos ça yo c'est un monde qui non dynamique électorale et donc faut nous-mêmes positionner tête nous pour que nous pas fait et pour que nous pas attaquer un gouvernement qui pour l'instant fait preuve au contraire de solidarité face à propos ça yo donc nous pral continuer action nous. Nous pourrons continuer à verbaliser indignation. Nous pourrons continuer à mobiliser tout moyen que nous gagnons, encore une fois, à travers un accompagnement physique Mavlan, à travers accompagnement continu consulat. Parce que pour nous-mêmes, ce n'est pas seulement communauté ça. C'est tracer un exemple pour dire que l'heure arrivé, nous-mêmes n'avons campé à côté communauté. Et m'a tout souligné parce que son point qui est important au-delà de ce qui a passé Springfield. Attaque ça sur humanité, sur dignité, sur appartenance nous dans des espaces côté nous pour contribuer pour nous bâtir des communautés. Il fait tout côté.